Les léopards de mer sont tout mignons, n'est-ce pas? Impossible qu'une créature avec de si jolis yeux te fasse du mal. On ne s'y attendrait pas, surtout quand on voit tous ces phoques à la télé qui aiment jouer avec les humains. Mais les léopards de mer sont de super prédateurs, il ne faut pas trop leur faire confiance. Après tout, leur nom vient de leur fourrure qui ressemble à celle des gros félins. Ils se situent tout en haut de la chaîne alimentaire. Très peu d'animaux s'attaquent à eux. Ce n'est pas si courant, mais les léopards de mer ont en revanche déjà attaqué les humains. De manière générale, ils sont plus agressifs que les autres phoques. Ce ne sont pas des animaux sociables. En général, ils préfèrent rester seuls. Leurs babines sont toujours remontées, de sorte qu'ils affichent un large sourire. Puisque ce sont des animaux solitaires, ils ont plus de difficultés à trouver un partenaire. Ils l'attirent en utilisant leur voix et parfois même en chantant sous l'eau. Le dingo. Difficile de le distinguer d'un simple chien errant. Mais attention, les dingos sont plus proches du loup que du chien. Ce sont les plus gros prédateurs terrestres d'Australie et ce sont aussi de super prédateurs. Ils attaquent leur proie en meute. Lorsqu'ils sont plusieurs, ils peuvent s'attaquer à des animaux encore plus gros, comme le kangourou roux. Ils évitent généralement les humains, mais si tu les croises en meute, mieux vaut les éviter. Tout le monde aime les pandas, avec leur bouille adorable et leur air innocent. Ils sont devenus le symbole de la gentillesse et de la sérénité. Ils sont aussi très paresseux et ils passent le plus clair de leur temps à se reposer et à manger du bambou. Ils ont certes l'air paisibles, mais il ne vaut mieux pas les embêter. Si par accident tu traverses le territoire d'un panda ou qu'il te considère comme une menace, il peut te faire du mal. Ils disposent de mâchoires et de griffes puissantes et sont en général plus forts que les êtres humains. Ils attaquent rarement l'homme. Mais il vaut mieux les laisser tranquilles, eux aussi. Le Nyctiseb. Cet animal est si lent que même en cas de danger, il s'immobilise. Ne te fais pas avoir par ses grands yeux et son petit nez. C'est une créature adorable. Mais sa morsure est toxique et elle peut te causer énormément de problèmes. Les chercheurs affirment que le loris lent imite le cobra. C'est l'un des rares mammifères venimeux du monde animal. Il ne sécrète pas le venin par sa bouche comme la plupart des autres animaux, mais par des glandes sudorales situées sur ses bras. Voilà, il ne s'agit donc pas d'un gentil petit ourson, mais plutôt d'un véritable monstre. Pareil pour le koala. Il a l'air si calme, mais il t'attaque sans problème s'il se sent menacé. Ce n'est pas un animal dangereux à l'origine. Il passe la plupart de son temps sur ses eucalyptus à roupiller. Il dort 22 heures par jour. Si jamais tu en croises un dans la nature, il va probablement juste grimper plus haut sur son arbre afin de t'éviter. Mais s'il se sent menacé, il peut utiliser ses griffes et ses dents pour se défendre. Les cygnes sont délicats et gracieux, mais aussi romantiques. Ils sont parfois associés à l'amour véritable. Mais dans ce cas, on pourrait bien aussi parler d'amour vache, parce que les cygnes peuvent être aussi vraiment dangereux. S'ils se sentent en danger, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se protéger et surtout protéger leurs petits. Ils commenceront par peler un peu, comme le font les chats, puis ils se mettront à battre des ailes. C'est là que tu dois fuir, parce qu'ils tenteront alors de te pincer avec leur puissant bec et de te frapper avec leurs ailes. L'ornithorynque. C'est aussi une sorte de créature mythique qui ressemble à un mélange de plusieurs animaux. Regarde ses pattes palmées et son bec. Ça ressemble à un canard, pas vrai? Mais il a la fourrure d'une loutre et la queue d'un castor. Il est tellement gracieux lorsqu'il nage sous l'eau avec ses pattes palmées, mais il n'est pas aussi élégant quand il se déplace sur terre. Il sort alors ses griffes de façon à marcher plus facilement. Les mâles sécrètent du venin. Ils disposent d'ergots sur les talons de leurs pattes arrière. Et sache qu'ils les utiliseront pour se défendre. Les grenouilles dendrobates. Les crapauds ont l'air beaucoup plus intimidants que cette jolie petite grenouille. Mais le crapaud est juste moche. Et il ne te fera aucun mal, contrairement à cette dernière. Il existe plus de 100 espèces de grenouilles venimeuses et elles ont chacune un niveau de toxicité différent. La dorée, connue sous le nom de phyllobate terrible, est la plus dangereuse et elle peut tuer 10 humains rien qu'au toucher. Le hérisson est un animal très apprécié. C'est une petite créature mignonne et innocente qui se met en boule en cas de besoin. Mais ça reste un animal qui pique et qui n'hésitera pas à utiliser ses piquants pour se défendre du danger. Si les piquants te trouent la peau, cela peut faire très mal. Le fourmilier.
Avec ses yeux doux, le fourmilier a l'air inoffensif. Il n'a même pas de dents pour se défendre ou nous faire du mal. Mais par contre, il a des griffes. Il les utilise en général pour trouver de la nourriture, mais bien évidemment, il s'en sert s'il se sent en danger. Est-ce que tu savais que leur langue est recouverte de piquant ? Eh oui, c'est leur outil principal pour la récolte de nourriture. Et cette langue peut mesurer jusqu'à 60 cm. Elle est longue et fine pour leur permettre de chercher des termites et des fourmis dans des recoins étroits. Les hiboux ne sont pas aussi mignons, mais ils ont cet air timide et intelligent. De plus, ils ne se préoccupent pas vraiment de l'homme. Sauf quand celui-ci s'approche et touche à son nid. Là, ils s'énervent. Ils ont de longues griffes acérées, donc vaut mieux ne pas les embêter. Par ailleurs, ils peuvent tourner la tête à 270 degrés, donc même si tu penses les surprendre par derrière, ils te verront. Les kangourous ne sont pas du genre à chercher les ennuis. Mais si tu les cherches, ils n'hésiteront pas à s'affirmer et à te montrer qui est le patron. Ils peuvent se mesurer à un humain comme si c'était un autre kangourou. Ils ont des bras très puissants et peuvent te frapper avec leurs pattes. Mais c'est encore pire quand ils te frappent avec leurs pattes arrière. Les cerfs ont l'air de sortir tout droit d'un conte de fées. Mais attention, les mâles n'hésitent pas à se servir de leur bois s'ils se sentent menacés. Ils ont aussi l'habitude d'entrer dans les jardins des particuliers et de manger ce qu'ils y trouvent. Ils peuvent également s'avérer dangereux pour les animaux domestiques, en particulier les chiens. Les renards ne peuvent pas nous faire de mal avec cette bouille d'amour, n'est-ce pas ? Ils peuvent toutefois être porteurs de la rage, donc il ne vaut mieux pas trop s'en approcher. De façon générale, ils évitent les humains, mais ils peuvent être agressifs envers l'homme et envers les petits animaux. Ils sont assez imprévisibles, donc fais attention. Les ratons laveurs ont l'air si sympas et ils sont si mignons qu'on pense qu'ils ne peuvent rien faire de pire que de fouiller dans nos ordures. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ces petits gars n'ont pas peur de sortir leur croc s'ils se sentent en danger. Même si tu étais juste allé voir qui faisait tout ce bruit dans ta poubelle. Leurs petites pattes sont mignonnes, mais elles sont pourvues de griffes pointues qu'il vaut mieux éviter. Les tarsiers font partie des plus petits primates au monde. Et ils sont eux aussi les plus mignons. En les voyant, tu n'as qu'une envie, les câliner. Mais vaut mieux t'abstenir. Ils ne sont pas particulièrement dangereux, mais ils ne sont pas fans des humains qui les touchent. Alors, ils peuvent réagir de façon assez imprévisible. Mieux vaut les admirer de loin.